battu. Le comité va arriver. Nous devons encore vérifier le matériel. Je suis tout prêt. À quelques rues. Je me débrouillerai sans toi. Non, c'est trop dangereux. J'adore l'enthousiasme du Doc, mais ça a le don de lui créer des problèmes. Je vais bien me dépêcher avant qu'il se blesse. Merde. Hop. Pardon, je suis en retard, je me... Wow. Vous avez déjà commencé ? La direction du comité de subvention sera bientôt là. N'en fais pas, Peter. J'ai inventé cet équipement, je crois pouvoir m'en sortir. Le filtreur électrique ! C'est pas vrai. On devrait peut-être arrêter. Pas encore. Tenez bon. Docteur Octavius, est-ce que ça va? C'est pas encore ça. Mais on progresse. Vous êtes blessé? Non, mais tout était de ma faute. Attendez, les niveaux d'énergie ont dépassé nos espérances. D'un certain point de vue, c'est un développement très positif. L'odeur n'augure pourtant rien de positif. Je vous assure, la phase suivante... Ne nous emballons pas si vite. Est-ce qu'on pourrait aller en discuter autre part? Tu peux prendre le reste de ta journée, Peter. Mais on en reparlera plus tard. C'était une catastrophe. Pourquoi le filtreur a pas marché? Le doc m'a dit de prendre ma journée, mais... Je veux comprendre ce qui s'est passé. Ok. On joue Peter, c'est cool. Ça, c'est cool. Oh, t'es pas en grande forme, toi. Ça va pas être ces bras-là, j'espère, pour Octavius. Voyons d'où vient le problème. Oh, Octavius Industries, what? Ah, il a carrément fait son truc. Ah ouais. Le circuit a grillé. Oh, c'est pas vrai. Si j'avais été là pour faire les contrôles, je l'aurais remarqué. Fini. Ah, j'avais pas vu l'attention, excusez-moi. Voyons si ça marche. Comme neuf. Le doc a testé de nouveaux matériaux pour les prothèses. Il m'a demandé d'y jeter un coup d'œil quand j'aurai le temps. J'ai qu'à faire ça maintenant. Peter, merci encore pour ces essais à l'aveugle. Ils sont essentiels aux avancées scientifiques. Tu sais, en préparant le prochain essayage, j'ai eu une idée. Tu crois que c'est vraiment le meilleur moyen de remplacer un membre? C'est idiot, je le sais bien. Mais je continue de me dire qu'il pourrait y avoir un autre moyen. Ok. Le doc a testé un nouveau conducteur pour les prothèses. Ok, c'est compliqué. Là, il faut lui. Hop. Et là, il faut le 3. Bon, il n'y a pas grand-chose de compliqué. Hein. Puis avec le temps, ça vient encore plus. Un composite hydrogel polymère.
résistant, mais avec une forte impédance. Je devrais dire au Doc d'explorer d'autres pistes. Bon, je ferais mieux d'y aller avant d'aggraver encore la situation du Doc. Spider-Man, c'est Yuri. Alors, fils qui est arrivé à Riker? Non, pas à Riker. Notre ami a eu droit à un traitement VIP. Il est dans le raft. Ah! Il rejoint Scorpion, Electro et toute la bande. Le gratin est là-bas. Fils devrait être content. Vous pourriez passer au commissariat? J'ai un problème et j'ai besoin de vos talents tout particuliers. À vous, Yuri! Je refuse de rien! J'arrive tout de suite! On dirait que Jameson a sorti un nouvel épisode. Je me demande ce que mon plus grand fan pense de l'arrestation de Fisk. Bienvenue dans État de fait avec Jason et Jameson, l'émission où les auditeurs prennent la parole sur notre ville et son actualité. Notre lauréat d'un prix Pulitzer... Non, deux. De deux prix Pulitzer et ancien rédacteur en chef du Daily Bugle. Le bouquin. Et comme toujours, si vous commandez l'ouvrage de Monsieur Jameson, Spider-Man, Danger ou Menace, dans les 24 heures suivant la diffusion, vous recevez un exemplaire dédicacé sans frais supplémentaires. Mais pas d'autographe à votre nom. C'est pas la peine de réclamer. Bienvenue dans État de fait, avec J. Jonah Jameson, qui vous alerte sur les menaces dont vous n'avez même pas conscience. Vous êtes à l'antenne. Parlez! Bon, alors malgré vos opinions, on peut dire que Spider-Man a fait du bon boulot en arrêtant Wilson Fisk. C'est vrai, une crapule en moins, tout le monde y gagne. Ben voyons. Dites-moi, vous êtes quoi? Policier? Procureur? Ou comme moi, un journaliste chevronné, récompensé par deux Pulitzer? Ah non, je suis plombier. Oh, super! Alors réparez mes toilettes et fermez-la! Je vais vous expliquer un truc sur les barons du crime. Dès qu'il y en a un qui tombe, tous les barjots avec un flingue, un survêt et une chaîne en or se prennent pour le nouveau parrain. Ça va être la guerre des gangs dans la rue. Et vous croyez que ça lui fait quelque chose à ce crétin masqué? Il s'en tape! Il est passé à la télé! C'est tout ce qui compte! Ouais, bah n'empêche que je peux me fournir en tuyau de cuivre sans verser de bakchiche. Alors en attendant votre guerre des gangs, moi je soutiens l'araignée! Et vous changerez de disque quand trois nouveaux gangs viendront vous faire payer trois fois vos tuyaux. Vous vous cassez les jambes! Bonjour chez vous! Ah. Un jour, Jonah, j'arriverai à te faire dire quelque chose de bien sur moi. Tu verras. Wow. Maintenant que vous avez arrêté de fumer, vous dites quoi à vos collègues quand vous montez ici? Je leur dis que j'en ai ras-le-bol de voir leur tête. Ça se tient. Alors, qu'est-ce qui se passe? Besoin d'un cavalier pour le bal? Vous avez un spider smoking? De toute façon, il n'y aura pas de bal cette année. Tout le budget est passé dans le matériel de surveillance de Scorp. Mais ça valait le coup, non? Ouais, c'est vrai. Jusqu'à ce matin. Le système nous a lâchés. Dans toute la ville. Toutes les tours. Comment ça? Apparemment, quelqu'un a saboté le serveur central et depuis, toutes les tours sont HS. Un de vos hommes? Peut-être. On verra ça plus tard. La priorité, c'est de remettre les tours en marche. Et vite. Et donc, c'est moi que vous appelez? Oh, c'est adorable. J'ai appelé une personne de confiance. Et puis le signal est brouillé, on ne sait même pas comment y remédier. J'adore les défis! Si vous cassez, vous payez! Je croyais que vous me faisiez confiance! Jetons un coup d'œil à cette tour. Les fréquences d'entrée sont inversées, subtil. Juste de récupérer une tour. C'était vous? J'en ai sous le masque, hein? Quoi que vous ayez fait, vous pourriez le refaire avec les autres tours? À votre service. Ah, pour info, j'ai dû me synchroniser avec la tour pour la réparer.
Je peux voir toutes les données criminelles du secteur. Et on dirait bien qu'il y a un cambriolage pas loin de moi. Parfait. J'ai des unités pas loin. Pas la peine. Je m'en occupe. Mais du coup, je dois voir la map, hein. Ouais, ah, et tous les quartiers sont brouillés. Du coup, il va falloir faire toutes les toits. Ok. Wow. Vas-y. Couvre-moi. Je doute que ces types aient oublié leurs clés. Moi aussi. Bon, le pire, pas mais c'est trop bien. Ok. Ok, c'est plié. Merci. Maintenant, je vois une agression près de vous. Ah, vous avez de la chance. J'ai justement un vieil inspecteur Bougon au cœur d'or sous la main. Quoi? Non, 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 non. Vous m'avez promis que vous ne feriez... L'inspecteur Spider. Je vous en prie. Alors, c'est toi, la balance. Dégage, raclure. Ouais, c'est bien elle. J'ai dit dégage. Mais fiche-moi la paix. Boucle-la un peu. Ne me touche... Laissez-la tranquille. Oh non, Spider-Man. C'est toi, là. Ouais, c'est comme le cake. Pose ça tout de suite. Aïe. Allez, j'appuie sur plein et je me prends. What? Chaque fois j'appuie sur plein pour contrer. Hein. Tout va bien, madame. Je savais que Jameson se trompait sur toi. T'es un peu bizarre, mais t'as un bon fond. Est-ce que vous avez un endroit où aller? Je peux me débrouiller toute seule. J'en doute pas, mais au cas où, il y a un endroit appelé le Centre Fist. Je sais, mais je veux pas la charité. Ils font les meilleures galettes de blé de la ville. Et de loin. Ma mère m'en faisait. J'en ai pas mangé depuis... bien longtemps. Ok, j'irai peut-être. Merci, Spider-Mec. Non, mais c'est Spider-Man, mais... Oh. Je devrais pouvoir repérer la prochaine tour de là-haut. Depuis son promontoire, l'inspecteur Spider observe sa destination, la deuxième tour de surveillance. Vous faites une voix de narrateur? Quoi? Bien sûr que non. Le chef ne comprenait pas l'inspecteur Spider. Il n'appréciait pas ses méthodes. Je sens que je vais le regretter. Alors... Je suis sûr que je pourrais modifier ces tours pour détecter plus que des crimes. Hein?
Oh, des sacs. Bingo. Les tours captent maintenant toutes sortes de radios identifiants. Dont un juste là. Qu'est-ce que c'est ? Quand même, hein. On peut pas leur enlever un truc, les déplacements c'est waouh. Mes vieux sacs à dos de l'époque du lycée. J'avais oublié que j'y avais fixé une balise. Je me demande s'il y en a beaucoup dans la ville. Ah oui, il y en a partout des sacs à dos. Ouais, je vais peut-être en faire un. Le menu de notre premier vrai rencard avec MJ. Oh putain. J'aurais aimé l'emmener dans un endroit plus chic, mais... ça a pas eu l'air de la première déranger. Rencard avec Kenji. Cool, ça a plein d'objets et tout. Ah, oh, vachement bien. Vachement bien, je trouve. Okay. Toujours là ? On a un vol à quelques rues de là. L'inspecteur Speeder s'en charge. Mi-homme, mi-araignée, 100% flic. Ah. Ouvre le coffre ! Allez ! Eh, hey, salut! Ah! Spider-Man! Tue-le! Salut! Oh, la caméra est pas ouf dans le. Merde, c'est pas en fait. Voilà, j'ai enlevé. Sérieusement? Il en arrive d'autres? Les gars, si vous vous donniez autant de mal dans un vrai boulot, vous auriez pas besoin d'être criminel. C'est bon, Yuri. Je vais réparer la dernière tour de Chinatown. Vous voulez dire que l'inspecteur Speeder va la réparer? J'ai bien réfléchi, Yuri. Être policier, c'est un truc de jeune. Et l'inspecteur Speeder, c'est plutôt un vieux de la vieille. Pourvu que ce soit bien ce que je pense. À partir d'aujourd'hui, l'inspecteur Speeder prend sa retraite. Ah, oh, Dieu merci, j'ai besoin d'un verre. Nous trinquerons tous ce soir à la mémoire de l'inspecteur Speeder, l'infatigable. Yuri ? Yuri, vous êtes là ? Ah. Elle a dû être submergée par l'émotion du moment. Ok, ça c'est simple. Tu vois combien il y en a de tours? Je pense qu'il y en a 3 par quartier. Encore un sac. Yo sup, ok. Oh, attention. Oh non. J'ai pas envie qu'on voit mes 3 poils sur le torse. Les outils dont j'ai besoin pour ma tenue sont au labo. Je me demande si le docteur Octavius est rentré chez lui. Vous ne dites pas comment elle n'a pas marché. Comment ça s'est passé avec le comité? Je suis désolé d'avoir tout raté. Ce n'est rien, Peter. Ils sont seulement nerveux face à mon triomphe imminent. Ils se détendront, comme toujours. Vous voulez que je passe au labo pour ranger? Non, non. Je dois sortir dîner. Nous reprendrons demain. Une petite pause et retour à la création du futur. Il faudrait prélever l'optimisme de cet homme et le vendre en bouteille. Apparemment, il a quitté le labo. Je peux m'occuper de ma tenue tranquille. Hop. Carte blanche, au calme. Le doc est sorti pour la soirée. C'est le moment de passer à mes activités d'araignée. Le doc a fait de grandes découvertes pendant toute sa carrière, mais il s'est toujours fait éclipser. Souvent par Oscorp.
Cette fois, ce sera différent. Ouais, on sait ce qu'il va devenir. Hein. Peut-être ça sera lui le grand méchant. Peter. Docteur Octavius, qu'est-ce que c'est que ça? Mon dîner. Si j'avais su que tu étais là, je... Sur quoi tu travailles? Sur un projet personnel. Alors c'est donc ça. C'est toi. Je vois pas de quoi vous voulez... Oh, je t'en prie, Peter, c'est évident. Je vais vous expliquer. J'aurais aimé que tu me le dises plus tôt. Mais je voulais le faire. Mais j'avais trop peur que ça se sache et que ma famille soit en danger. Ouais. Je suppose que si tu crées tout son équipement, ses ennemis pourraient t'en vouloir. Ouais. Oui. T'en fais pas. Ton secret est bien gardé. Eh bien, je te laisse travailler. Regarde tes mails. J'espère que c'est pas le doc qui me renvoie. Peter, quand j'ai découvert que tu étais le costumier de Spider-Man, d'ailleurs, est-ce le bon terme? Ça m'a rappelé ta valeur en tant qu'individu et en tant que partenaire. Tu as beau te tuer à la tâche, tu trouves toujours du temps pour aider les autres. J'espère que ça ne te dérange pas. J'ai remarqué que la tenue était un peu abîmée et j'ai pris la liberté de crayonner quelques arrangements. Tu trouveras ci-joint des idées que j'ai eues pour améliorer son costume et mieux le protéger. Il a fait tellement de choses pour notre ville. On forme un tandem extraordinaire et notre travail va changer le monde. Ton ami et partenaire, Otto. Cool. Une araignée blanche, hein? Hmm. Ah ouais, cool. Ah, on peut même crafter. Vous voyez, des jetons. Ouais. Stylé, putain, stylé. Voilà, les stylés. Non, d'ailleurs, t'es bloqué. Créer une nouvelle tenue. Pouvoir tenue, concentration, mais bon. Trois modes menu. Trois modes menu, mode tenue. Cool. Spider-Man, je crois savoir comment les hommes de Fisk arrivent à maintenir ses activités, via ses chantiers. Ça a pas fermé quand on l'a arrêté? Non, c'était l'une de ses activités officielles, avec différents investisseurs, et impossible d'agir sans preuve. Mais on a ce qu'il faut maintenant, non? J'espérais que vous pourriez surveiller ces différents sites et me dire si vous remarquez quelque chose d'inhabituel. Entendu. Je serai votre araignée fouineuse du quartier. Salut. Mes fidèles auditeurs, qui se font appeler les têtes de brosse, j'ai jamais trop compris pourquoi, se souviennent de ma mise en garde contre le système de surveillance anti-crime, le Big Brother, que la ville voulait mettre en place. Eh bien, il ne marche pas. Vous me demandez pourquoi?
Parce qu'un homme plein de bon sens a réalisé que c'était une atteinte aux libertés civiques? Non! Parce que ces incompétents de bureaucrates ont bâti un réseau qui plante plus qu'un jardinier hyperactif, plus instable qu'un poivreau dans une auto-tamponneuse. Pas de bol pour les dollars des contribuables. Ils ont tout balancé par la fenêtre. Bienvenue dans le monde réel, les enfants. C'est notre seule version du Happy End. Joey, je suis sur l'un des chantiers de Fisk. Il y a pas mal de monde ici, mais aucun ouvrier du bâtiment, a priori. D'accord, et qu'est-ce qu'ils font? Je vais essayer de voir ça. Un SMS du doc. On dirait qu'il a mis un concept de Spider Gadget en pièce jointe. Il arrête jamais. Wow, ça pourrait bien marcher. Alors, j'arrive pas à lire. Parfait, le doc serait fier. C'est ouf ça. Let's go. L'endroit est condamné, capitaine. Couvert de toile, pour être précis. Et quelqu'un a enfin signalé des coups de feu. J'ai donc pu envoyer des agents. Beau travail. Fisk a d'autres chantiers en ville. Je parie que ce sont aussi des façades. Ouvrez l'œil et faites-moi signe si vous voyez quoi que ce soit de suspect. Ok, madame. Non, non. Si je veux trouver tous les chantiers de Fisk, il n'y a qu'une chose à faire. Je dois augmenter la précision de mon logiciel de navigation. Je devrais y arriver. En appliquant un traitement 3D à des photos de bâtiments et de monuments. Et je sais par lequel commencer. Ah, un sac à dos. Vachement bien l'histoire, j'aime bien. Pour l'instant, c'est le début, mais. Ouais, ça m'a étonné que le sexe soit en bas. Qu'est-ce qu'il est là? Il va être collé au mur. C'est ça. Hop. Par contre, quand tu te balades, c'est... Bonne nouvelle. Je crois que j'ai arrondi les angles avec le comité de subvention. Si l'essayage du première classe Texidor se passe bien demain, ça devrait aller. C'est fantastique, Doc. Les affaires reprennent. Provisoirement. Tant que notre petit incident ne parvient pas aux oreilles du maire. Tu seras à l'essayage? Absolument. Ça va être génial. On va changer le monde, Doc. Si on ne découvre. Merde. Bon vieil Empire State Building. Ah, j'adore cette ville. Allez, une petite photo. Ça fera l'affaire. Ma carte a dû se recalibrer. Ah oui. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de photo. J'avais oublié à quel point ça me plaisait. Je devrais continuer à chercher d'autres monuments à l'occasion. Il y en a plein. Mais ça me fait quoi ça? Ah, ça me donne des points. Et ça, je suppose que je l'ai déjà détenu et tout. Ah, bah lui. Temps de recherche. Ah, cool, vraiment. Il est vraiment cool celui-là. Ils sont tous cool en fait. Hein.